Alors salut à tous, c'est Ria, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, toute nouvelle vidéo Fortnite, toute nouvelle vidéo top 10 des skins les plus tryhard de tout Fortnite, mais de rareté icône. Alors on a fait les skins à 800, les skins à 1200 et les skins à 1500. Maintenant on attaque au skin icône. Si vous voulez la prochaine fois que je fasse avec une autre rareté ou un truc comme ça, ou avec un nombre de V-Bucks, ou même avec des, par exemple, tous les skins ultra qui ont été dans un pass de combat, et ben dites-moi en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, tout le blabla. Du coup, en plus, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs avant que la vidéo commence. Et aussi, il y a un code caché dans la vidéo pour gagner le pack à 4 euros de cette saison, qui est plutôt stylé, que je vous affiche à l'écran. Il est vraiment stylé, d'ailleurs, que j'utilise en même temps dans la game. Et ben, il y a un code caché dans la vidéo pour le récupérer. Il faudra juste le rentrer dans le site d'Epic Games. Donc, on est parti pour la vidéo. Alors, le top 10 des skins les plus tryhard de rareté icônes de tout Fortnite. Alors, on va commencer avec Astro Jack. Alors il est vraiment plutôt stylé, en boutique il est, si je me trompe pas, au prix de 2000 V-Bucks, plutôt stylé. Je l'aime plutôt bien, mais moi c'est pas un skin vraiment que je jouerais, c'est pour ça qu'il est au top 10 et pas genre top 2. Mais par contre, en termes de beauté, ça je peux pas dire, je peux pas dire l'inverse, il est vraiment super joli, super tryhard, enfin ça dépend, moi en fait sa cape, c'est ça surtout qui me dérange, sinon le skin, rien à dire, super joli. Alors, le prochain skin, ça va être The Grefg. Ce skin-là, c'est un youtubeur espagnol, si je me trompe pas, avec pas mal d'abonnés. Il est plutôt stylé, moi, en plus, c'est ma couleur préférée, le rouge, mais bon, c'est pas non plus, on va pas se cacher que c'est pas non plus un skin ultra tryhard. Mais il est plutôt joli, et il est bien réussi, je trouve. Et puis, c'est un skin icône, et c'est rare que moi, j'aime pas un skin icône, parce que la majorité des skins icônes, je les aime bien. Il avait super bien avec la baguette étoilée, des trucs comme ça. Ou même avec une petite pioche rouge, comme celle de Tenchina. Ou voilà, des trucs comme ça. Alors, on va passer au top 7 des skins les plus tryhard, icônes de tout Fortnite. Alors, c'est le skin Leatherfruits. Alors ce skin-là est vraiment plutôt stylé, de rareté icône, j'adore vraiment ses couleurs, elles vont super bien avec la baguette étoilée. Et en plus, il n'y a pas énormément de skins féminins icônes, mais celui-là en fait partie. D'ailleurs, il va vraiment super bien, je tiens à le redire, il va super bien avec la baguette étoilée et la psycholame. Et plein d'autres pioches comme ça. Voilà. Alors, je vous le rappelle que sur cette vidéo il y a un concours pour gagner le skin à 4 euros et c'est très simple, il y aura un code caché avec dans la vidéo, ça peut être au début comme à la fin, mais bon, vous avez bien compris que c'est pas vraiment tout au début parce que on est déjà à 3 minutes 30 de vidéo, mais je vous conseille de vraiment rester jusqu'à la fin pour réussir à attraper le code. Alors le prochain skin tryhard icône, c'est le skin du joueur le plus fort de Fortnite, Booga. Alors ce skin-là, vraiment je l'aime beaucoup. Bon, moi je l'ai pas acheté parce qu'à ce moment-là je pouvais pas mettre de V-Bucks ce jour-là. Mais bon, honnêtement, je pense que si j'aurais eu assez de V-Bucks, je l'aurais acheté. Parce qu'il est vraiment super stylé tout ça. Voilà. En tout cas, il veut super bien avec la baguette étoilée, la pelle à neige, la boîte. Hein. Je pense que si elle sort en boutique, je l'achèterai directement. Je sais pas vous, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, est-ce que vous l'achèterez quand il reviendra en boutique? Bon, et ben on arrive au skin LeBron James. Version Looney Tunes. Il est vraiment super tryhard. Encore une fois, j'ai pas pu l'acheter, mais je pense que si on sort en boutique, je l'achèterai direct. Ce skin va super bien avec la pioche baguette étoilée. La boîte 1, la faucheuse, et c'est la première fois que dans un combat, enfin que dans un top, tu vois, des skins les plus tryhard, que je vais dire ça, mais il y a un revêtement qui va super bien avec LeBron James, c'est le revêtement de Travis Scott. Alors là,
Vraiment, c'est les mêmes couleurs, rouge et orange. C'est vraiment super bien. Je vous conseille que si vous avez le revêtement et LeBron James, faire ce combo, c'est-à-dire revêtement, baguette étoilée et bon, et LeBron James. Alors honnêtement, ce sera super. Ce sera super clean comme combo. Alors, le prochain skin, c'est Ariana Grande, le deuxième skin féminin de cette vidéo. Alors, il est vraiment super stylé ce skin, je l'aime beaucoup, je l'ai acheté le jour de sa sortie. J'ai clairement sauté sur le bouton acheter. Il est vraiment super tryhard, j'adore sa variante grise qui va super bien avec la clinquante et sa variante bleue qui va super bien avec la bague étoilée, la psycholame. Et plein d'autres pioches comme ça, super éclairées. Aussi, ça va plutôt bien avec la boîte. Hein. Pourtant, c'est une pioche noire et grise. Mais ça va quand même énormément bien avec ce skin. Ce skin est vraiment super bien réalisé, super joli. Extrêmement beau. Honnêtement, moi, je l'adore. Je pense que c'est l'un de mes skins icônes les préférés. Honnêtement. Alors, avant qu'on passe au prochain skin, je tiens à vous demander de liker, vous abonner avec la cloche des notifications et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne YouTube à l'heure actuelle. Et aussi dites-moi en commentaire si vous êtes abonné, si vous avez liké la vidéo. Alors j'avais un truc à vous dire, à vous demander surtout, c'est de aller vous abonner à la chaîne de Eva toute seule qui est en description et à ma chaîne secondaire qui est basé sur les shorts. En tout cas, merci à tous ceux qui vont le faire. Mais bon, allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, le prochain skin, c'est l'un des skins les plus tryhard du jeu, icône pour moi. Je tiens à dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo, top, machin, machin, des skins les plus tryhard de machin, machin. C'est seulement mon avis et ce que je vois surtout en game. Alors du coup, cesse de blablatage et le skin c'est Anderson Pack. Désolé, j'ai un peu bégayé. C'est ce skin que vous voyez à l'écran jaune qui est vraiment super stylé, ultra tryhard. Dans la boutique, il est au prix de 1500 V-Bucks. Il est plutôt stylé. Moi, personnellement, j'ai acheté tout le pack, c'est-à-dire lui avec l'autre skin, le reste, en fait, tout le pack. Je crois qu'il coûtait 3000 V-Bucks le pack ou 3400. En tout cas, j'ai acheté tout le pack. Et honnêtement, il est vraiment super bien. Ce skin, il va super bien avec la bague étoilée, la pelle à neige, la boîte. Il est vraiment super stylé ce skin. Et je vous le conseille énormément. Alors, le prochain skin, c'est un skin que j'aime énormément, qu'il y a quelques mois, vous m'aurez demandé. Je vous aurais clairement dit que c'était mon skin préféré. Mais maintenant, bon, ça a changé. Au tout début, c'était un skin spécial. Mais ça, je peux pas vous le dire encore parce qu'il est top 1. Mais après, c'est devenu ce skin. Puis, c'est redevenu le skin qui est numéro top 1. Alors, je vais pas tellement blablater. Comme avant, comme au début de la, comme juste avant. Du coup, je vais vous dire, ce skin c'est J Balvin. Il est vraiment super stylé, moi je l'aime énormément. Voilà. En tout cas, voilà, c'est J Balvin. Ce skin a plusieurs variantes, on a trois, une rose en squelette, un noir en dinosaure un peu, et normal. Sa version normale elle va super bien avec la pelle à neige, l'omnisciente, la boîte 1. Sa version rose elle va super bien avec la baguette toilée ou la psycholame. Et sa version l'autre elle va super bien avec la pelle à neige, l'omnisciente. Donc voilà, ce skin est vraiment super beau, super tryhard. Et n'oubliez pas de liker. Alors, le prochain skin, c'est un skin que j'aime énormément. Honnêtement, je pense que c'est mon deuxième skin préféré de tout Fortnite. C'est un skin masculin, chanteur, qui fait partie du pack de Anderson Pack, que j'ai acheté évidemment, vu qu'il était dans le même pack.
C'est Bruno Mars. C'est ce qu'il a. Je l'aime énormément. Je joue énormément. Il a quatre variantes, mais personnellement, je joue que sa première. Et du coup, ce skin va super bien avec la pelle à neige, la baguette étoilée, la boa en. Voilà. En tout cas, ce skin est vraiment super magnifique. Alors, avant qu'on continue pour le prochain skin, je tiens à vous demander d'activer la cloche de notification et l'abonnement et liker cette vidéo. Je vais vous demander un tout petit poli like qu'on fait à chaque vidéo minimum. Et c'est 10 likes. Donc vraiment, c'est hyper faisable. Vraiment 10 likes, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Parce que c'est souvent largement plus. Mais je vous demande seulement 10 likes. Et voilà. Et ça sera super si vous me mettez 10 likes tout cool, tout pile. Ça serait super. Et donc, bon, allez, on est parti pour le prochain skin. Alors, le top 1. Le skin le plus tryhard icône de cette. Enfin, de cette vidéo, c'est mon skin préféré. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le skin Travis Scott. Alors, ce skin-là est très rare, très beau, très stylé. Que ce soit ses chansons ou le skin, j'adore vraiment tout. Dommage qu'il y ait une polémique récemment, mais en tout cas, on parle pas de ça, on parle du skin. Et le skin est vraiment super tryhard, super stylé. Alors, il va se parler avec la bague étoilée, la pelle à neige, la boa en. Voilà. En tout cas, moi, je l'aime énormément. Je sais pas vous. Mais voilà. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer les notifications. Et ciao!